Bonjour, je m'appelle Jean Atkinson, je suis un journaliste ici à Toronto et on est au festival de Caribbean Tales avec Madame Uzanne Palsy. Merci bien pour prendre le temps avec nous. Merci encore pour vos œuvres. En tout cas, c'est évident que vous avez beaucoup travaillé dans ce métier du film. Et vous avez parlé, pour commencer, vous avez parlé aussi d'avoir un degré dans la littérature. Parlez un peu de l'influence de la littérature sur vos œuvres, si vous pouvez un peu. Oui, en fait, j'ai suivi le conseil de mon père qui me disait, bon voilà, tu vas faire des études de cinéma en France, tu es la première du pays à faire ça. Tu ne sais pas du tout ce que l'avenir te réserve, si ça va marcher. Il faut être prudent. Donc ce serait pas mal que tu t'inscrives à la Sorbonne et que tu fasses des études de lettres. Et c'est ce que j'ai fait. La même chose pour l'opéra. J'ai étudié l'opéra, j'ai étudié aussi le théâtre. Tout ça, c'était très important pour moi parce que ce sont des choses que j'utilise forcément dans mon métier de cinéaste. Je me suis dit, bon, c'est vrai que mon père a raison, la littérature, ça ne peut pas faire de mal, puisque quand on écrit un scénario, on utilise, on réfléchit et ça vous nourrit. Ensuite, comme le théâtre, pareil, dans la mise en scène, ça enrichit, si vous voulez, les choses. Et puis, j'aimais beaucoup, beaucoup étudier le travail scénique de l'espace au théâtre, qui n'a rien à voir avec l'espace cinématographique, mais c'est intéressant justement de pouvoir passer de l'un à l'autre, et surtout quand on travaille avec des acteurs, des comédiens qui viennent du théâtre par exemple. Donc comme je connais le travail la mise en scène, la direction d'acteurs de théâtre, c'était d'autant plus facile pour moi de mettre en scène des comédiens qui venaient du théâtre, de les mettre en scène dans mes films, quoi. De les aider à passer le cap, parce qu'on ne joue pas de la même manière au théâtre qu'on joue devant une caméra, quoi. Ouais. Donc tout ça, c'était assez utile. Et puis l'opéra, c'est quelque chose qui m'est extrêmement cher. Depuis mon plus jeune âge, quoi. J'aime l'opéra et c'est vrai que moi-même je chantais, je suis soprano colorateur, mais je n'ai jamais voulu en faire un métier puisque ma passion c'était le cinéma. Oui, vous avez parlé aujourd'hui déjà des faits que quand vous étiez dans votre lit, puis vous avez habillé, puis courir après vos parents pour aller dans le cinéma pour voir les films. À quel âge ou à quel point dans votre vie avez-vous trouvé « Ah, c'est ça mon métier et c'est fini, j'irai. » Ça, je peux vous répondre très clairement parce que j'avais 10 ans. Wow. J'avais 10 ans quand j'ai dit « J'aime ça et j'aimerais faire ça. » Alors les gens me disaient « Ah, tu veux être actrice ?» Parce qu'ils ne comprenaient pas du tout, quoi. Ils ne savaient pas, ça se passait à la Martinique, dans une petite île, hein, et qu'ils n'avaient jamais vu une caméra ou un réalisateur ou un morceau de pellicule. Sauf un petit peu plus tard, oui, quand on allait dans la petite cage où se trouvaient les projecteurs, ouais. À la salle paroissiale, et on était amis avec... le projectionniste qui était aussi celui qui déchirait les tickets à l'entrée. Justement, quand on sortait de la messe, ouais. Il était en bas, il attendait, il déchirait les tickets et puis on entrait. Puis après, il allait lancer le projecteur. Donc on montait, comme nous sommes devenus copains, mes frères et moi, nous sommes devenus copains avec lui. On lui amenait plein de gâteries, etc. Donc il nous laissait monter dans la cage de projection et on voyait la pellicule. Donc moi, je savais effectivement ce que c'était que de la pellicule et le film était là-dessus, je savais ces choses-là. À 10 ans, c'était clair pour moi que c'est ce que je voulais faire.
Et aussi, dans vos films, vous, vous toujours touchez sur les sujets vraiment... c'est quoi le mot que je cherche? Mais des grands sujets, des sujets qui touchent toute l'humanité. Difficile, exactement. Et vous avez dit l'après-midi que pour Dry White Season, que c'est une production d'Hollywood, mais c'est pas un film d'Hollywood. Expliquez un peu la différence, s'il vous plaît. J'ai pour habitude de dire que, oui, que Dry White Season, si c'est une production hollywoodienne, ce n'est certainement pas un film hollywoodien parce que je ne connais pas de film de ce genre, de film politique produit par Hollywood qui permet justement de surtout des films qui traitent du racisme qui se terminent avec une fin comme la mienne, comme la mienne. Ça veut dire à la fin du film un des héros qui est noir, Stanley, ben, il descend un policeman blanc. Donc, et d'ailleurs, ça a été un choc pour la presse américaine quand le film, lors de la conférence de presse, parce que à la fin du film, silence total dans la salle, et avant de me dire ni c'est bien, ni c'est pas bien, etc., il y avait 50 voix qui se levaient parmi les journalistes et avec la même question. Qu'est-ce que vous voulez dire par cette fin? Est-ce que vous êtes en train de dire aux Noirs de prendre les armes et de tuer les Blancs? Ah, ils étaient choqués parce que il n'est pas coutume, je vais dire. Ça n'existait pas avant. Dans un film de Hollywood, avoir un Noir qui tue un Blanc, ça, c'est pas possible. Et là, c'était vraiment une bombe. C'était quelque chose de nouveau. Et moi, je leur ai dit, très crânement, j'ai répondu, écoutez, est-ce que c'est là la seule réponse que vous pouvez, la seule interprétation que vous pouvez donner à cette scène? Réfléchissez un peu, il y en a d'autres. Et à mon avis, celle-là n'est certainement pas celle que j'ai choisie. C'est peut-être la vôtre, parce que dans votre subconscient, il y a peut-être il y a des choses avec votre passé et votre actualité qui font que c'est ce que vous voyez. Alors, moi, ce que je veux faire passer, en tout cas, j'essaie de dire par cette fin, c'est que si vous ne faites rien pour dénoncer l'apartheid, condamner l'apartheid, eh bien, c'est ce qui risque d'arriver. Voilà. Et là, ah, bon, d'accord, ok, non, bravo, ils ont applaudi et tout ça. Est-ce qu'il fallait expliquer tout cela autour du monde ou est-ce que c'était spécifiquement aux États-Unis ou ailleurs, des petits coins? Est-ce que... Uniquement aux États-Unis, okay. La presse américaine avait ce problème, seule la presse américaine. Parce que, évidemment, il y avait l'apartheid hein, aux États-Unis. L'apartheid n'est pas né en Afrique du Sud, uniquement en Afrique du Sud. Il y a eu la ségrégation pareille dans ce pays. Et au moment où le film est sorti, il y avait encore énormément de ségrégation, de racisme. Donc, évidemment, il y a un film d'ailleurs avec Sidney Poitier et comment il s'appelle cet acteur anglais je vois son visage, j'oublie son nom. Il est un peu rouquin. Comment il s'appelle cet acteur aujourd'hui? C'est pas vrai. Il a les cheveux un peu roux. Il est extraordinaire, c'est une grande star anglaise. Michael Caine? Michael Caine, merci. Eh bien, il y a un film avec Sidney Poitier et Michael Caine où je crois qu'ils sont à la recherche d'un mauvais gars, quoi. Et Sidney Poitier a énormément subi dans le film. Mais à la fin, c'est Sidney Poitier qui arrive à attraper ce salaud. Et il a un revolver dans la main. Et il peut descendre cette personne. Et Michael Caine arrive. Et Michael Caine fait ça. Et Sidney Poitier va donc lui donner le revolver et c'est Michael Caine qui va descendre le vilain. Ah, ok. Évidemment que jamais, même si c'est Sidney Poitier, jamais Hollywood n'aurait toléré que ce noir
tire sur un blanc, même si c'est un vilain. Mais c'est un vilain blanc. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis que Dry White Season, avec Stanley qui descend le capitaine Stolz, c'est une révolution. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas un film hollywoodien. Ce n'est pas un film de Hollywood. Et l'autre chose qui fait que ce n'est pas un film de Hollywood, c'est que j'ai utilisé dans ce film des acteurs noirs d'Afrique du Sud. Dans les films de Hollywood, on utilise les Noirs américains. Est-ce que vous avez eu de problèmes avec la politique, en quelque sorte, en utilisant les acteurs de l'Afrique du Sud, comme ça? Est-ce que ça posait de quelques problèmes? Problèmes où? Ben, quand vous êtes... En Afrique du Sud? En Afrique du Sud, ou... Ben, c'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ces comédiens noirs, il a fallu ruser avec le gouvernement sud-africain. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous êtes au courant, que à cette époque-là, les artistes d'Afrique du Sud, noirs d'Afrique du Sud, ben, quand ils voyageaient pour pouvoir quitter le pays, aller jouer à Londres, là où ils allaient souvent, particulièrement, eh bien, ils avaient un passeport. Donc, ils partaient, mais au retour, la police récupérait le passeport. Et ils n'étaient jamais en possession de leur passeport, comme vous, moi, non. Tous les passeports des artistes noirs ou des médecins, etc., de tous ceux qui pouvaient sortir et revenir ou ne pas revenir. Et les passeports étaient confisqués, étaient gardés par la police. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons dû passer par une productrice qui avait une troupe de théâtre, un théâtre à Londres qui était très connu. Et nous lui avons dit de faire une demande, d'envoyer une demande justement pour dire qu'elle avait besoin de ces acteurs-là pour jouer dans une pièce à Londres. Et donc on a donné à ces acteurs le passeport. Et ces acteurs sont partis jusqu'en Angleterre pour revenir à côté de l'Afrique du Sud, au Zimbabwe, pour jouer dans le film qui était juste à côté. Le plateau était fermé à la presse pendant toute la production et la presse était rageuse. Justement pour sauvegarder. Mais la presse ne savait pas, donc elle était furieuse en disant oui, pour qu'ils se prennent, ils viennent tourner là, on ferme au nez le plateau. On n'a pas répondu à cette provocation puisque nous savions que c'était pour protéger la vie de ces Sud-Africains qui étaient là avec nous et qui tournaient quoi. Et quand ils ont fini de tourner, on les a renvoyés à Londres pour ensuite de Londres aller en Afrique du Sud. Ouais. Voilà. C'est du travail en tout cas. Hein. Vous avez aussi mentionné une révolution, comme Dry White Season était. Et vous avez aussi mentionné tout à l'heure vos deux pères. Parlez un peu de votre film sur Aimé César. Quelle sorte de... Ben, c'est-à-dire que Aimé Césaire, c'était mon père spirituel, comme il a été le père spirituel de beaucoup de gens, non seulement de la Martinique, de la Caraïbe et d'Afrique, mais à travers le monde, il a inspiré, il a inspiré énormément de gens. Et il a été non seulement le professeur, mais l'inspirateur, le père spirituel, mais de tellement, tellement de gens à travers le monde. Des gens qui sont des Chinois, des Russes, des Arabes, des Européens, mais des Indiens, vraiment. Mais c'est extraordinaire ce qu'il a accompli. Et j'ai eu la grande chance de le connaître, puisque c'était le maire de ma ville. Ouais. Et en plus, quand j'ai quitté la Martinique, je suis allée dire au revoir. Je suis allée dire bonjour, merci et au revoir à Aimé Césaire. Bonjour, pourquoi? Parce qu'il ne me connaissait pas. Moi, je le connaissais. Moi, je suivais toutes ces campagnes électorales. Je faisais avec mes parents partie de ceux qui allaient avec nos petits bancs
nous asseoir sur la place de la Savane à Fort-de-France quand il faisait ses discours électoraux. Bon, je faisais partie de ces gens qui allaient boire la parole d'Aimé Césaire. Ok? Comme André Breton a dit, la parole d'Aimé Césaire, belle comme l'oxygène naissant. Ouais. Et c'était tout à fait ça. Donc je le connaissais, je savais qui il était, je connaissais son œuvre, mais lui ne me connaissait pas, ce qui est normal. Alors moi, je voulais quand même donc lui dire, voilà, qui je suis, je parle. Lui dire, et merci, pourquoi? Parce que grâce à vous, vous avez été mon père spirituel, vous m'avez nourri, vous avez fait de moi une intellectuelle, une artiste, quelqu'un qui... Je savais que je voulais faire du cinéma, mais je savais que le cinéma que je voulais faire, que je souhaitais faire, est un cinéma qui parlerait de nous. Mais il m'a fait gagner du temps. Et il a confirmé, quand j'ai découvert son œuvre, je me suis dit, mais j'ai donc raison. Parce qu'avant moi, il y a eu cet homme qui a toute sa jeunesse, son combat, il a dédié à cette cause. Réhabiliter l'homme noir, réhabiliter son image, redonner sa dignité à cet homme noir, dans l'écriture, dans l'image, dans les icônes, partout, quoi. Et moi, c'est ce que je voulais faire avec le cinéma. Finalement, une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez, votre espérance, qu'est-ce que vous espérez que ça vient du cinéma des Caraïbes? Parce que vous êtes ici dans le festival des cinéastes de Caraïbes. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que vous voyez dans le futur pour les autres dans votre métier? Déjà, je vois, il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai commencé ma carrière officiellement en 83. Entre 83 et aujourd'hui, évidemment, les choses ne sont pas allées pour moi aussi vite que je l'aurais souhaité. Parce que malheureusement, il y a énormément de jeunes qui ont saisi les caméras grâce à l'évolution de la technique. Il y a des caméras qui sont beaucoup plus légères, moins coûteuses, etc. Le cinéma commercial, c'est beaucoup plus difficile parce que ça coûte très cher. Et ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès à ça. Hein, la sélection est très dure. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, grâce aux films qu'ils ont vus, que leurs aînés ont fait, même si ces films ne sont pas nombreux, mais en tout cas, ils savent que c'est possible. Et le fait d'avoir fait Wick as Neg, et que Wick as Neg soit devenu un classique à travers le monde entier, et que ça a brusquement, les gens, ils ont découvert qu'il y avait un cinéma qui pouvait exister ailleurs. Et il y a des gens il y a une histoire, qui un pan de la grande histoire qui a été occulté pendant des siècles, et qui maintenant, il y a un voile qui est levé. Donc ils savent ça. Et un vieillard qui était dans la file, pour aller voir Wick as Neg un soir, il me dit bravo ma fille, bravo ma petite fille. Et il me dit, maintenant je peux mourir parce que enfin on existe, enfin le monde a les yeux braqués sur nous. Parce que quand même, ce lion d'argent à Venise, ce prix d'interprétation féminine, mais c'est tout le cinéma mondial qui va là et qui est au courant maintenant que la petite Martinique existe et qu'elle n'est plus un point sur une carte, sur la map monde, mais qu'on existe, on est bien vivant et qu'on a du génie. Voilà ce que m'a dit ce vieil homme. Il m'a dit maintenant, je peux mourir en paix. Et je sais maintenant que nous ne sommes plus des ombres, mais nous existons. Et là, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu la réaction des gens à la sortie de Rue Cazenègre, ça m'a ému. J'ai versé toutes les larmes de mon corps. Et en même temps, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte à quel point la responsabilité était lourde. Quand Obama a été élu, j'ai tellement prié pour que cet homme soit élu. Mais mon rêve est devenu réalité.
le rêve de beaucoup de gens. Mais j'ai brusquement, I felt for him. J'ai vraiment, je me suis sentie, comment expliquer ça, encore plus proche de lui. Et j'ai pleuré encore en me disant, mon Dieu, la tâche va être immense pour cet homme. Parce qu'il prend un pays en déconfiture. Et tous les regards seront braqués. Parce qu'on n'a jamais vu ça de toute l'histoire. De toute l'histoire du monde. Je n'ai jamais vu ça. Qu'un président, mais souhaité par, mais par le monde entier, pour un pays. S'il fallait que tout le monde vote, ah, mais le monde entier avait déjà fait l'élection d'Obama. Il était déjà, et le monde entier voulait que ce soit Obama. Et puis partout, je me dis, c'était la fête d'Obama dans tous les pays de la planète. Je n'ai jamais vécu ça. Et rien que pour ça, je suis heureuse, je suis fière d'appartenir à ce siècle. Donc, et Obama, j'ai pensé à lui et j'ai éprouvé, bien sûr, à des degrés moindres, tout est relatif, bien sûr, cette crainte énorme. Il va devoir gérer tout ça. Moi, ça a été pareil avec Wiggins-Legg. Je me suis dit, mon Dieu, je me suis battue pour faire du cinéma. Je me suis battue pour arriver là. Je me suis battue pour avoir un diplôme, une éducation, pour avoir une, pour arriver à faire ce film, Wiggins-Legg. Je me levais, je me couchais, je me levais avec ce livre et avec cette obsession. Et j'avais juré que je ne jetterai pas le bâton. Je continuerai à me battre, à me battre, à me battre et à marcher et à frapper à toutes les portes. Je n'avais pas le droit d'échouer, d'abandonner justement ce projet. Eh bien, j'ai réussi. Mais maintenant que j'ai réussi et que je vois l'engouement des gens dans le monde entier pour cette œuvre, l'impact que ça a sur les gens et la demande et l'attente, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je serai à la hauteur de la tâche? Et j'ai compris que je n'étais plus libre. Je n'étais plus libre. Et ça, c'est quelque chose que c'est la première fois que j'arrive à formuler ce que je dis là, devant une caméra. C'est la première fois. J'ai eu peur, je me suis rendu compte je me demandais, est-ce que j'avais les épaules assez larges et fortes pour pouvoir porter tout ça? Et puis, je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne pouvais pas échouer. Il fallait que je continue. Et j'ai passé mon temps à dire non à Hollywood, à refuser mais des centaines de projets. Ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, parce que je n'ai jamais pu exprimer ce que j'exprime aujourd'hui. Pourquoi je n'ai pas davantage de films avec le parcours que j'ai eu sur mon CV? Parce que tous les films, parce que ceux qui ont l'argent et qui auraient pu me permettre de faire des films, ceux-là n'ont jamais voulu faire mes films, mais ils n'avaient de cesse de me solliciter pour faire leurs films. Mais des films dans lesquels je ne me reconnaissais pas. Des films qui m'auraient donné vraiment le sentiment de vendre mon âme pour des dollars, pour quoi? Pour avoir mon nom en haut de l'affiche comme une grande réalisatrice, mais qui sert l'Amérique, qui sert Hollywood, mais pas comme une cinéaste qui justement va laisser des œuvres majeures parce qu'elle a contribué à une évolution sur le plan social, sur le plan politique ou simplement dans la vie des êtres humains, quoi, sur un plan universel. Donc c'est pour ça. Ça a été pour moi une tragédie, en fait. Chaque jour, c'était dur pour moi. Et chaque fois, j'écrivais des histoires. Et plus on me disait non, plus je recommençais à écrire autre chose. Mais chaque fois, on me disait non. Et là, je me suis entêtée. J'ai dit, mais non, je ne céderai pas. Je ne céderai pas, même si je n'aurais fait en mourant, en quittant cette terre, que 5 films. Je veux faire les films que je veux faire. Alors Spike Lee, j'ai eu cette conversation avec lui l'année dernière, il était à Paris, et il me dit, you know, it's not easy for us. Je lui ai dit, talk to me, yes, you're right. C'est vrai que c'est pas simple. Et je lui ai dit, mais toi, tu as... Mais vous luttez quand même. Oui, tu as fait quand même le choix que j'aurais peut-être, enfin j'aurais dû mettre un tout petit peu d'eau dans mon vin
Et peut-être que je dis bien peut-être que j'aurais dû faire comme toi pour arriver à faire finalement ce que je veux faire. Il me dit oui, oui, c'est vrai, mais bon, c'est pas évident. Et voilà. Et ben, mais oui, parce que Spike Lee, il était comme moi. Mais à un moment donné, les studios l'ont acculé. Bon, maintenant, si tu veux exister, mon pote, tu fais ce qu'on te demande de faire. Voilà, il choisissait, évidemment. Il pouvait choisir dans tout ce qu'on lui proposait. Mais il était obligé de faire des films de Hollywood, où il n'y a même pas un acteur noir là-dedans, même pas un personnage noir. Il acceptait ce compromis. Mais l'argent qu'il gagnait lui permettait de faire She Hates Me, ses films à lui, quoi. Mais... pas des films de l'envergure de, je sais pas, de Malcolm X ou de ces grandes fresques comme ça qu'il faisait, qu'il a fait. Tous les autres films que Spike Lee a fait, il a un peu changé. Parce que les gens qui ont l'argent, ils vous tiennent. Ils vous disent, OK, il y a un proverbe créole à la Martinique qui dit, l'aller est vôtre, mais le retour est mien. OK, c'est comme un poisson. On lui donne du mou, on le laisse aller. OK, vas-y. Fais ton truc. OK, mais je t'attends. Je suis là, je t'attends. Parce que c'est moi qui ai le pognon. Un jour, tu vas revenir puisque tu as besoin d'argent. Eh ben, c'est ce qui s'est passé avec Spike Lee. Il y en a d'autres qui très tôt, se sont lancés dans la production et ont carrément fait des films avec des sujets blancs, je veux dire, avec des acteurs blancs, des histoires. Puisque je hais ces termes-là. Mais je les emploie parce que c'est ce que les gens de Hollywood, quand ils me parlent, me disent. Quand je propose un film, ils me disent « We don't know how to market this to the white audience. This is it's a black story. » Je dis « Black story ?» Je dis « C'est une histoire. Pourquoi l'approcher comme a black story ?» Pourquoi ne pas dire que c'est un film ? Je dis « Mais tell me something. » Quand vous avez une histoire, une de vos histoires, est-ce que vous réunissez vos publicistes, vos gens, et vous dites il faut essayer de voir comment on va vendre ça for the black audience? Vous ne vous posez pas cette question du latino audience public ou du public noir ou du public Asian. Non, vous faites vos films et puis si le film il est bon, il est mauvais. Et vous savez très bien que les gens iront au cinéma. Donc j'ai dit que c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a un manque de respect total pour le public, ce public-là. Puisque si vous devez formater les choses et mettre la forme et tout, vraiment tout ça pour que le public blanc puisse daigner regarder les films, ça veut dire que nous sommes quoi? On ne compte pas. On ne compte pas pour vous. Nous sommes quantité négligeable en fait. Ouais. Quand il s'agit de nous. Parce que quelque chose que vous allez mettre là, bof, they'll go and see it. Alors, j'ai dit, mais ça, il faut quand même changer ça, cette mentalité. Et voilà. C'est ceci que vous faisiez. Et c'est ce que j'essayais de faire, justement, avec mes films. Ouais. Et ça, ça ne passe pas toujours. Voilà. Et voilà, on est fini avec notre entrevue avec la reine cinéaste. Merci. Jeanne Parsi. Oui, c'est le festival Caribbean Tales à Toronto. C'est votre première visite à notre ville. Donc, bienvenue et je vous souhaite un bon voyage de retour à Paris. Et merci bien pour parler avec nous aujourd'hui. Et en tout cas, comme j'ai dit, surtout pour vos... Merci. Merci à vous. Au plaisir.